Parmi les 4 objets que je vais vous présenter, il y a un de ces objets qui est à gagner. C'est selon ton choix, tu le dis dans la barre des commentaires, tu mets un petit j'aime à la vidéo, tu me suis aussi sur Instagram, ce serait super cool. Et en plus de ça, à la prochaine vidéo unboxing, je citerai le gagnant et t'as intérêt à répondre à mon message. Sinon, eh bien l'objet sera relancé dans le concours. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de 4 produits de la marque Coetech. J'avoue, ils m'ont envoyé des petits trucs assez sympas et c'est parti. Parmi ces 4 objets, il y a donc un panneau solaire qui est pliable, un peu de poche qu'on peut mettre dans son sac. On va voir. Alors, donc, on a bien sûr... Ah, on a aussi un petit câble micro USB et on va dire un petit peu nomade. C'est-à-dire que tu peux le plier comme on peut le voir. Avec donc 3 panneaux solaires, 3 petites planches qui permettent lorsque tu es dehors eh bien, de recharger ton appareil. Et ça, je trouve que c'est une assez bonne idée. Plus précisément, attendez, je vais dézipper. Ici, plus précisément, on a 2 ports USB. Je viens de le voir d'ailleurs. Donc, il nous livre un petit port USB dans la boîte. Et on va tester. Devant la lampoule. Devant l'ampoule et je regarde si mon iPhone s'éclaire. Pour l'instant il s'éclaire pas. Hein. Oh bah. Absorbe la lumière. J'absorbe la lumière, c'est tout. Enfin de la fausse lumière mais de la lumière. J'arrête. On va tester dehors là vite fait, mais il y a des nuages, c'est pas terrible. Faut attendre que y a un peu de soleil, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de soleil. Donc on va attendre un peu et ça fait une semaine qu'il a pas fait très beau. Et qu'il va pas faire très beau pendant une semaine. Donc on va attendre un peu. Et je vais voir s'il va me... Mais ça marchait en tout cas hein. Ça marchait, donc ça c'est bon signe. Chez tension. Ouais, c'est bon, ça charge là. Alors, en fait parce que je l'ai laissé un tout petit peu vu qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc là il charge. On passe au deuxième produit avec des écouteurs sans fil pour le sport. Et je l'ai testé et c'est vraiment grandiose. C'est parti. En plus de ça il est pas très cher, c'est une 20aine d'euros. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est puissant. Ce que je n'ai pas avec, par exemple, mes écouteurs d'Apple, ils sont pas puissants. Et quand je fais du sport, j'aime bien avoir du bon son, mais surtout fort. Voilà, ça me motive encore plus. Et là, c'est vraiment dédié pour le sport. Donc, tes écouteurs, ils tiennent super bien. Il est propre. Et j'entends pas beaucoup de l'extérieur. Ça, c'est bon signe. Ouah, c'est super fort. Mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement, le son, il est pas dégueulasse. Il y a un petit port aussi micro. USB, mais par contre il est pas loin. Waouh, c'est très fin. Ils mettent pas de chargeur pour charger son appareil quand même. C'est dommage. Oh oui. On va le tester là avec une petite application. C'est les sortes de petites lunettes, petits casques pour 3D qui te permet voilà, d'avoir ces petites sensations que tu peux avoir avec un casque à réalité virtuelle. Sauf que c'est bien moins cher, c'est aussi je crois c'est une 30aine d'euros. Donc c'est pas du tout le même prix qu'un vrai casque à réalité virtuelle. Mais c'est assez sympa, j'ai jamais testé. Donc on va voir ça ensemble. Je pose avec une molette au milieu qui va être soit voilà je raccroche, voilà ok. Soit je vais séparer un peu plus les antilles, soit je vais les rapprocher. Oh putain, je vais monter. Ah. Ah, waouh. Ah ouais. Waouh. Bon, les graphismes, c'est pas trop ça. Hein. On est plus dans du GTA 2. Et comment est dispositionné mon téléphone. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Avec les petites lentilles. Mais j'ai fait un petit réglage très simple et je pouvais voir correctement. C'est la première fois que j'utilise un petit casque. Et c'est vrai que c'est assez cool. De petits accessoires qu'on peut l'attacher sur un vélo ou sur un scooter. Et moi c'était plus sur mon scooter. Donc, je vais vous le montrer. Des endroits que je ne connais pas, voir le GPS. Et le problème sur scooter ou moto. Alors moto on a des accessoires faits pour ça. Mais moi sur mon scooter j'ai cherché depuis un moment un accessoire. Et j'ai pas d'accessoire. Donc je voulais absolument en fait accrocher mon téléphone contre mon guidon pour voir où est-ce que je devais aller. Parce que j'utilise souvent les écouteurs pour le GPS et le problème c'est que c'est un peu illégal, on n'a pas vraiment le droit. Une petite sécurité pour pas que le smartphone il glisse dessous, derrière on a des petits élastiques un petit peu qui fait toile d'araignée. Voilà, et je trouve ça assez stylé d'ailleurs. En plus c'est la couleur bleue, c'est la couleur de mon scoot. Donc ça c'est sympa, entouré hop et que je l'aurais mis dans mon guidon, j'aurais juste à...
Tac. Boum. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à regarder, je vais mettre des codes promo dans la description si vous êtes vraiment intéressé par un de ces produits. J'ai donné un petit peu près des petites notes pour que vous ayez vraiment un petit aperçu. Et n'hésitez pas aussi à participer puisque lors de ma prochaine vidéo unboxing, vous allez pouvoir gagner un de ces 4 objets si vous êtes vraiment intéressé. Allez, c'est parti, tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.